Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis le général Franco. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais préciser que ce n'est pas un clash. Je ne suis pas en train de clasher parce que je n'ai pas le niveau de ce monsieur. Cette vidéo s'adresse à un influenceur, à un enseignant, à un créateur de marque, celui-là qui a créé le promoteur de la marque SM sur mesure. Claudel Nubisi, que tout le monde connaît. Monsieur Claudel Nubisi, les gens pensent qu'ils gaspillent leurs mégas pour me suivre, mais ils ignorent que moi aussi, je gaspille mes mégas pour suivre les autres. Monsieur Claudel Nubisi, je vous suis tout de même comme je suis les autres. Vous avez fait une première vidéo il y a de cela quelques jours. Bon. Vous avez critiqué les producteurs des poissons sciures au Cameroun. Quand j'ai regardé la vidéo, j'ai dit, ah, peut-être vous êtes à la conquête des vues comme la petite Mireille a commenté sur votre poste. Soit vous animez juste la galerie, soit vous êtes en train de provoquer, puisque vous avez dit vous êtes un provocateur de buzz. Quand tu buzz, c'est-à-dire que vous avez dit que les gens disent que vous faites trop la tontine. Pourtant, vous-même, vous provoquez les tontines sur Facebook. Peut-être vous voulez provoquer la tontine du côté des agriculteurs. Je me suis pris ça comme ça. Sauf que hier, j'ai vu une deuxième vidéo. La vidéo que tu as postée en critiquant la petite Mireille qui était devant sa chambre avec ce truc sur la tête là. Elle t'invitait à venir découvrir les poissons, c'est le machin truc. Tu as dit, si elle t'avait présenté où elle faisait le poisson, machin truc, ça devait te flatter à venir sur le terrain. Les gens vont se poser la question à savoir, Franco, pourquoi tu défends les agriculteurs pourtant toi-même tu n'es pas un agriculteur. Je ne suis pas un agriculteur. Également, Claudel Nubisi n'est pas un agriculteur, mais il critique les agriculteurs. Je défends donc les agriculteurs, particulièrement Mendel Sainte. Pourquoi? Parce qu'on m'a payé et trop cher pour faire la publicité d'une entreprise qui fait dans l'élevage des poissons cellules. Et j'ai dit au monde entier que c'est l'un des meilleurs producteurs de poissons cellules au Cameroun. Il est basé à Douala, PK11. Il a les différents téléphones, MD, autant pour moi, certaines difficultés maintenant. C'est pour cette raison que quand j'ai suivi votre vidéo, est-ce que tu as suivi ce que Claudel a parlé vous concernant? Il a dit que bon, mon téléphone a un souci. Donc, c'est pour cette raison que, premièrement, j'interviens à sa place et deuxièmement, parce que cette entreprise m'a payé et trop cher pour communiquer sur leur entreprise. Et si vous venez aujourd'hui, monsieur Claudel Nubisi, dit que ce que j'ai dit hier, que c'était bien, est mauvais aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas, monsieur Claudel Nubisi a fait une sortie où il dit qu'on devrait en réalité arrêter la production des poissons cellules au Cameroun. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de goût. Parce que c'est fade, c'est nul. Et dit il allait manger ça plusieurs fois. Il a été déçu. Monsieur Claudel Nubisi, vous avez dit dans votre vidéo d'hier que Malox a chanté que les gens marchent par catégorie et que les intellectuels marchent par catégorie. Les producteurs de poissons marchent également par catégorie. Vous avez mangé le poisson chez qui? Moi, je suis caméraman de profession. Donc, quand je pars à Douala, chaque fois couvrir un événement, je m'arrête toujours chez Mendel Center parce que la première fois que j'ai mangé le poisson de Mendel Center, mon cher ami, je n'ai vu personne ici à Yaoundé qui a le niveau de Mendel Center en ce qui concerne, ah non, l'élevage, pas l'élevage, mais la manière de braiser. Je te rappelle que Mendel Center braise son poisson, ce n'est pas en contact direct avec le feu, avec le charbon. Non. De deux, il braise son poisson sans sel ni cube. Mais si vous mangez ce poisson, vous voyez quelques images là, non? C'est quand j'étais à Douala, chez Mendel Sainte. Et plusieurs personnes sont allées chez Mendel. Même les blinguistes arrivent à Douala, partent, puisqu'ils ont suivi ma vidéo. Personne n'a jamais été déçu. Mais vous ne pouvez pas vous lever un matin, vous commencez à critiquer. Vous êtes allé où? Commencez à critiquer. Vous êtes allé où, monsieur Claudel Nubisi? Je vous invite. Je vous invite chez Mendel Sainte. La différence, premièrement, il n'élève pas son poisson. Comme vous voyez en image, il n'élève pas son poisson comme les autres qui élèvent les poissons au marécage. Il fait dans l'élevage moderne. Il forme. Donc, vous ne pouvez pas venir un matin, vous vous placez devant votre écran, vous commencez à clasher les producteurs de poissons. Vous dites que. Et vous chantez les louanges des producteurs
étrangers. Vous commencez à dire, en réalité, vous devez investir dans le maquereau, puisque les maquereaux qu'on importe, vous voyez que ça a un goût, vous pouvez investir dans les bars. Monsieur, le jour que vous allez manger le poisson mendélisé, c'est vrai, c'est comme ça qu'ils appellent ça. À Mendès, c'est comme ça qu'on appelle le poisson mendélisé. Vous allez comprendre que, papa, ce que je disais là, vraiment, je n'avais pas raison. Oui, je vais vous laisser cet extrait de pub que j'avais fait pour Mendès 7 et on revient juste après. Venez directement à PK12 chez notre frère Mendel Center. Hein, papa? Oui, papa Fingon, il faut venir avec Maman Kingali à Mendel Center. C'est vrai. Mendel Center est une entreprise créée par un jeune Camerounais qui fait dans la pisciculture. Oh, wow! Mendel Center fait dans la production des poissons, la construction des fermes, vente de matériel, ainsi que la formation en pisciculture. Donc, je vous conseille, chers parents, envoyez vos enfants à Mendel Center se faire former en pisciculture. De ce que se passe chez nous au pays. Si vous avez également votre événement, vous avez besoin des poissons brisés, contactez Mendel Center. Il vient avec son équipe sur place. Vous faites briser des poissons. En une heure de temps, il vous brise 100 poissons. Hein? Mendel Center, votre satisfaction, c'est notre priorité. Contactez rapidement le numéro qui s'affiche sur bas cet écran pour avoir plus d'informations. Ok. Très bien. Monsieur Claudel Noubissi, vous avez dit dans votre vidéo que si on avait présenté un espace où on braise, je vous rappelle qu'à cette époque, il n'avait pas encore un espace moderne. Puisque depuis mes visites à Douala, de venir faire la publicité sur un espace, je ne suis pas disponible. De venir montrer, parce qu'il a loué carrément un espace, une boutique pour braiser ses poissons. Il livre les poissons en tonnes. Je ne veux pas citer les événements où il n'a pas même brisé ses poissons. Et les gens sont satisfaits. Mais vous vous levez un matin, vous commencez à critiquer un domaine déjà qui ne vous concerne pas. Moi, je ne veux pas me lever un matin et commencer à vous critiquer dans le domaine de l'entrepreneuriat, monsieur Claudel Noubissi, parce que ce n'est pas mon domaine. Je ne m'y connais pas trop là-dedans. Mais un entrepreneur de votre catégorie. Bon, c'est vrai que je suis un entrepreneur, mais pas dans le même sens. Un autre entrepreneur de votre catégorie va aussi, n'est-ce pas, peut vous clasher si vous comprenez mieux. Donc, cette vidéo s'adressait à Monsieur Claudel Noubissi. Monsieur Claudel Noubissi, je vous suis. Vous êtes un grand frère, je respecte beaucoup. Mais il faut faire preuve donc. Si vous n'avez pas fait vos vidéos, pour vous faire voir, comme la petite Mireille a dit, parce que vous avez dit, vous avez montré même son poste, où elle disait que soit c'est pour chercher les vues, soit c'est pour vous faire, je ne sais pas, vous faire parler de vous. Si tel est le cas, ok. Puisque je sais que toi-même tu me suis. Je sais que tu me suis. Donc, monsieur Claudel Noubissi, faites preuve de grandeur. Donc, vous avez dit dans votre vidéo que si quelqu'un vous invite et qu'il a réellement un espace où il braise les poissons, où il élève ses poissons, c'est eux, tu dois venir sur le terrain et tu dois filmer pour montrer à ton public qui va faire plus de 2 millions de vues. Ça, c'est la preuve que je te suis. Donc, après cette vidéo, M. Claudel Noubissi, ce n'est pas mon entreprise, mais c'est une entreprise que j'ai communiqué dessus pendant longtemps. Et si vous venez aujourd'hui dire que ce que je disais n'était pas ça, faites gaffe. Faites gaffe. Donc, je vous invite. Je crois que vous avez vu le numéro du promoteur de cette entreprise. Si j'avais votre numéro, je devais vous prendre même eBay. Je ne vais même pas vous faire la vidéo. Je vais vous inviter directement, mais je n'ai pas votre numéro, malheureusement. Voilà. C'est pour ça que vous avez fait cette vidéo. Voilà mon numéro également en bas. Voilà mon numéro de téléphone. Mon numéro direct. Voilà. C'est ça mon numéro. Même si vous voulez, je vous invite. Je vous amène à Mendel Center. Oui. Il va vous contacter. Le promoteur de Mendel Center, il va vous contacter. Donc, j'ai bien dit, ce n'était pas le clash, grand frère. Je ne suis pas de ta catégorie. Les gens marchent par catégorie. Moi, je ne veux plus moi les clashs. Je ne fais plus moi les clashs. Donc, je disais juste que, grand, ce que tu as dit là, ou bien ce que vous avez dit là, ne tient pas.
parce que vous êtes venu montrer que ce que je disais hier n'était pas ça. Voilà la raison pour laquelle j'ai intervenu pour votre sortie là. Faites gaffe. C'était le général Franco. Partagez la vidéo pour m'encourager. Si tu es nouveau sur ma page, sur ma chaîne, abonne-toi. Voilà, mon frère, avant de parcourir tout... Comment on appelle ? Nos bacs piscicoles. Voilà, avant de parcourir vos bacs, notre ferme, votre ferme, je voudrais, n'est-ce pas, que tu nous parles de tes offres de services. Qu'est-ce que tu offres aux jeunes, aux personnes qui te regardent ? Oui, déjà, en ce qui concerne l'aquaculture... Commence par le nom de l'entreprise. Notre entreprise s'appelle Mendel Center Cameroun. Nous sommes situés à Douala, PK12. Ouais. Moi-même, je suis ingénieur de formation et promoteur de la dite entreprise. Ouais. Et nous offrons nos services. Déjà, si vous voulez construire votre ferme, vous êtes intéressé par la pisciculture, que voulez-vous lancer, vous pouvez nous contacter pour les conseils. Ouais. Ou alors pour l'étude de terrain, pour la faisabilité. Maurice s'affiche au bas de l'écran, là, vous contactez ça, oui. Oui, pour la faisabilité de votre ferme. Parce qu'il y en a qui veulent se lancer sur un site qui n'est même pas d'abord propice. Parce que d'abord, c'est d'abord par là qu'on commence. Mmh. Donc, on peut vous aider à mettre sur pied votre ferme aquacole. Il faut qu'on gagne en temps. Quelle autre offre de service? Vous pouvez créer les fermes, oui, vous pouvez encore. Pour ceux qui veulent se lancer, ceux qui ont déjà les bacs et qui ont besoin des éleveurs. Vous pouvez nous contacter, on va vous livrer les alevins. C'est ce que vous faites dans la reproduction et la distribution, c'est des ça? Alevins. Des alevins. Des alevins, uniquement. Oui. Et maintenant, pour ceux qui ont besoin de consommer du poisson, oui. Vous pouvez nous contacter. Donc, c'est que quelqu'un veut faire son mariage, quelqu'un veut faire son événement, il a besoin du poisson, on oui. Peut venir vous voir. Il a besoin du poisson frais, il peut nous contacter. Oui. Ou alors, s'il a besoin de poisson, s'il est déjà braisé, il peut commander juste le nombre de plats. Oui. Et on vient sur place, on va briser sur place, on vient avec le matériel. Comme j'ai vu la dame après briser là, oui, comme vous voyez venir là, briser sur place. Un événement où vous venez avec le matériel, votre propre matériel. Notre, dès qu'il nous dit, il nous dit juste qu'on a besoin de 20, de 100 poissons à 22h. Oui. 18h nous sommes sur place, on s'installe. Vous livrez 100 poissons de 18h à 22h. Oui. C'est bien. Quoi d'autre? Donc, nous assistons vous aussi. Formez également? Nous formons, nous formons. Il y a les jeunes qui viennent ici régulièrement, les jeunes... En stage, oui. Il y a les étudiants des universités qui viennent, il y a les particuliers. Comme... Et tous ceux que j'ai vus là, ce sont des employés. Oui, ou... oui, nous tous nous travaillons ici. Oui. Actuellement, okay. Nous n'avons pas de stagiaires. C'est vrai que nous avons des demandes en stage. Ils vont arriver d'ici le mois de fin février. D'accord. Donc, tous ceux que vous voyez là, ce sont nos collaborateurs et employés. Voilà, j'espère que vous avez compris. C'est un jeune entrepreneur, un jeune Camerounais résident au Cameroun qui a lancé son business, comme vous pouvez voir là. Donc, contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations en ce qui concerne. On appelle ça la pisciculture. Mendel Center, votre satisfaction, c'est notre priorité. C'est de ça qu'il s'agit. qui t'a donné l'idée de te lancer dans ce genre de business? Déjà, je suis ingénieur à Yut, option aquaculture. De l'Institut des sciences et études de l'Université Douala Yabassi. C'est vrai que je suis aussi sans publicité, hein. Ingénieur agronome de la phase A de Tchang. J'ai aussi fait la phase A de Tchang, sans publicité. Wow. Et je suis sorti donc. Actuellement, comme vous pouvez observer derrière vous, ça c'est un système aquaponique. Ici, nous comptons mettre des plantes, nous pouvons cultiver des laitues et tout et tout. Et tout ceci, sans terre, uniquement avec de l'eau du poisson, ça va pousser et c'est magnifique. Waouh! C'est un système qui est encore en construction, mais nous avons déjà fait les tests et ça a donné, oui. C'est positif. Donc maintenant là, c'est du concret. Donc, on évolue. Ici là, c'est l'unité de transformation. Ouais. C'est ici que nous séchons nos poissons. Parce que beaucoup de personnes fument le poisson au quartier et tout ça là, mais... Ils n'utilisent pas trop les techniques modernes. Nous ici, on utilise les techniques modernes. Parce qu'en principe, pour fumer normalement du poisson avec du charbon, il faut utiliser le charbon des arbres fruitiers. Ouais. Or, le charbon d'un arbre qui n'est pas toxique pour l'homme. Or, ici... Et comment on appelle la machine que vous fumez? Ça, c'est un fumoir fabriqué localement. Nous en vendons aussi. Pour ceux qui veulent, on fabrique et on leur livre. C'est fabriqué localement. C'est un fumoir, c'est choix. On peut voir? Oui, oui. On voit là... Nous avons, ça chauffe, hein? Nous avons là, ça ce sont les gants. Vous avez vu pour la scie comme ça. Nous allons envoyer les mains avec ça sans problème. Prenez un peu un poisson fumé là, on voit. Nous pouvons cuire même du pain, du gâteau à l'intérieur. Mmh. Donc il est vraiment très, 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 très efficace. Ça alors. Nous avons parfois les commandes à l'étranger. Et puis pour la dégustation, vous avez constaté, nous, ne mettons pas notre poisson en contact direct avec le charbon. Tout à l'heure, je vous ai expliqué pour le fumage que, en fait, ce n'est pas conseillé. Mm-hmm. Quand vous ne connaissez pas la provenance du charbon, mm-hmm. d'utiliser ça pour un produit directement consommable,
C'est pour ça qu'on a mis un tapis. Et nous, maman, qui nous finissent alors dans, devant les bars tous les jours alors. Bon. On mange seulement, mon frère. Ok. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Hein? Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.